La croix de Lorraine, c'est le symbole officiel que le général de Gaulle choisit pour différencier les bâtiments et les avions des forces libres de celles du gouvernement de Vichy. Cette croix gigantesque, de plus de 43 mètres de haut, composée de granit rose, de perros-guirec et de bronze, est inaugurée le 18 juin 1972 en présence d'Yvonne de Gaulle, très émue. On la voit de la boisserie. C'est le général de Gaulle qui, en 1954, déclare à un journaliste « Vous voyez cette colline, c'est la plus élevée. On y édifiera une croix de Lorraine quand je serai mort. » 67 pays ont participé à son financement. C'est exceptionnel. Elle surplombe aujourd'hui le mémorial Charles de Gaulle qui connaît un véritable succès dès son ouverture avec 400 000 visiteurs dès la première année. Thank you.